c'est les semis de blé avec le nouveau 6R. C'est la dernière grosse parcelle de l'année. Je voulais faire une belle vidéo avec des prises de vue avec le drone. Vu que c'est une grande parcelle, j'aurais pu faire de belles images. Mais il a décidé de me lâcher. La caméra ne veut plus bouger, donc je ne sais rien faire avec. Mais en gros, ici, c'est le dernier gros semis du blé. Donc c'est du froment panifiable Moscus. On va un peu voir ce que ça donne ici dans le fond de la semelle. Donc ici il y a eu deux déchaumages après les haricots. On n'a pas eu le temps de faire couvert puisque les haricots sont partis que mi-septembre. On voit, ça c'est un trou de ver de terre. Il y en a partout. Là c'est plein de galeries. Alors il y a quand même un lissage qui se fait, mais l'idée avec la bourre peu profond, donc là on doit être à 12-14 cm, c'est que le système racinaire du blé va être assez puissant pour détruire ça. Et donc passer en dessous, et en dessous ben, c'est tout souple. Plutôt que de l'avoir à 20 cm de profondeur ou 25, là où les racines sont beaucoup moins puissantes et n'arriveront pas forcément à transpercer, puisque ici, en roulant là-dessus avec le combiné de semis, ben, je vais juste compacter ce qui a été labouré. Normalement, ça va pas trop se transmettre à la semelle. Et donc la rotative va redéfaire tout le mal qui a été fait par rapport à une charrue classique où là, le sol il est mou sur 25 cm et le pneu va le tasser jusque dans le fond, là où la rotative ne travaille plus. Alors avant de rentrer, je vais vite vous montrer la parcelle d'en face. Donc ça c'est celle d'aujourd'hui où il y avait les haricots. Et ici c'est où il y avait les petits pois, où on avait mis le fameux couvert avec les tournesols et le sarrasin. Donc on a finalement décidé de quand même passer la charrue. C'était pas spécialement sale, mais il y avait quand même des repousses de le sarrasin qui venaient. Les radis étaient toujours là. Donc pour faire un travail propre, on a préféré passer la charrue, surtout que ça consomme la même chose qu'un déchaumeur. Il y a de la matière, tout ça c'est les fibres des tournesols. Et de l'autre côté, ben là, ça n'a été récolté que autour du 12 septembre, je crois. Donc là, on n'a pas pu mettre de couvert et ça se voit tout de suite. Alors ici, de l'autre côté, on voit tout de suite qu'il n'y a pas grand-chose. On voit de temps en temps quelques restants de haricots. Donc ça, c'est un peu dommage cette année que toutes les récoltes ont été tellement tard qu'on n'a pas eu l'occasion de mettre des couverts et de construire un peu l'humus qu'il y a dans le sol.